Moi j'espère et je vous souhaite de continuer à l'être car bientôt c'est Noël. Ouais. Et oui, et aujourd'hui nous retrouverons nos fidèles amis Tic et Tac qui adorent se mettre dans des situations compliquées. Rassurez-moi, il y aura aussi Super Balou. Mais bien sûr Julie, Super Balou, notre super pilote dans nos super nouvelles aventures. Et notre super bande à Picsou toujours prête pour faire des bêtises. Il y aura également un reportage à New York dans un quartier où il fait bon chanter et danser. D'ailleurs, New York, New York. Julie, si tu veux, tu peux pas nous remettre ça pour une autre fois. Oui. Merci, car maintenant, il est temps de retrouver plutôt... Plutôt qui que qui? Plutôt qui... Non, Philippe, s'il te plaît, t'arrêtes la tisane de bon matin, tu sais que c'est mauvais pour ta santé. Hein? Voilà. Alors, où en étais-je? Ah oui, nous retrouvons donc maintenant plutôt... Plutôt qui que qui? Ça suffit tous les deux, hein. Je peux continuer? Vas-y. J'aurais du mal, hein, mais enfin bon, je vais essayer quand même. Donc, plutôt étant soldat, plutôt... Le chien, étant soldat, on lui demande de monter la garde devant un blocos. Jusque-là, pas de problème. Mais quand deux écureuils s'en mêlent, ça se complique. Voici plutôt soldat. Dans quelques instants, vous allez découvrir le premier indice de notre concours. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. C'est déjà l'heure de la séquence cuisine. Bah, c'est fou ce que l'émission passe vite. Ouais. Mais non, pas du tout. C'est le premier indice de notre concours. Les enfants, surveillez Nicolas et Philippe. Je ne leur fais pas du tout confiance. Ils sont tellement gourmands, ces deux-là. Hein? Nous gourmands quoique, elle n'a peut-être pas tort. Oui, elle a sûrement raison, même. Aujourd'hui, c'est un pays qu'il faut trouver. Un pays que nous aimons tous beaucoup. Alors, si vous avez trouvé, notez notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001... 92 518 Boulogne Billancourt Cedex. Et si maintenant nous retrouvions la bande à Picsou? Ouais. Vous savez que ce n'est pas de tout repos pour l'oncle Picsou que d'avoir trois neveux comme Riri, Fifi et Loulou. Mais lorsque des mauvais garçons s'attaquent à la production linéaire de Picsou, là il peut compter sur ses neveux pour venir à son secours. Voici donc la bande à Picsou. Ouais. C'est le plus grand boss de tout. Dans quelques instants, nous verrons un reportage aux États-Unis. Le premier indice, mais alors il était bon. Oh oui, assaisonné à point, c'était délicieux. Ah non, ne me dites pas que vous avez... Si, si, on a. Ça a été plus fort que nous, on n'a pas pu résister. Bon, très bien, eh bien vous serez privés de reportage. Je le verrai toute seule, enfin, avec les enfants. D'ailleurs, c'est dans quelques instants, dans la suite du Disney Club. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je vous avais dit que vous étiez privés de reportage. Allez, Julie, sois gentille. Ouais, surtout que c'est bientôt Noël. Allez. Je n'arrive même pas à être sévère avec eux. Bon, d'accord, restez avec nous. Allez, venez vous asseoir. Ah. Ouais. En route pour Broadway. Est à New York ce que les Champs-Élysées sont à Paris, mais des Champs-Élysées qui traverseraient le Forum des Halles. En voiture pour descendre Broadway, avec une Jeep décapotable, c'est vraiment sympa.
un peu brûlé. Vous savez où on est? Alors on est? Où sommes-nous? Nous sommes à Times Square. On dit que c'est le centre du monde. Tiens, justement, est-ce que vous savez pourquoi on appelle cet endroit Times Square? Attends, Times Square, Times c'est l'heure. Oui. Square, c'est le square, c'est le square où on va à toute heure. Non, vraiment, n'importe quoi. Mais non, pas du tout, c'est là où est né le journal, le New York Times. Ah, et oui, c'est pour ça que ça s'appelle Times Square. Le journal est parti ailleurs, mais par contre, le nom, lui, est resté, et la place, elle, elle est restée. Formidable. Super. Nicolas. Oui. Nicolas. C'est toi qui as sorti la voiture du garage ce matin? Oui, oui. Oui. Eh bien, écoute, c'est toi qui la rendras au loueur, hein? Bon courage. Cette bosse à la voiture, tu t'en es sorti comment? Avec tact et délicatesse, comme d'habitude, ma petite Julie. Pas de problème. Mais maintenant, c'est l'heure de retrouver Tic et Tac. Grâce à eux, nous allons pouvoir pénétrer dans les coulisses du tournage d'un film publicitaire pour pâté pour chien. Voici les Rangers du risque. Ouais. Dans quelques instants, Nicolas et Philippe vous proposeront une séquence de bricolage. D'ailleurs, ils sont en train de répéter. Je crains le pire, mais restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club.